Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Tuto, nous allons voir comment faire un tirage au sort sur Twitter pour les concours. Alors, en fait, c'est un nouveau petit service en ligne qui est sorti qui s'appelle Tweetroulette, pardon. Et en fait, ce site, je l'ai trouvé donc sur le blog de Thierry, sur Cocktail Web. Donc là, je vais indiquer le lien sous la vidéo pour aller le voir un petit peu, le remercier. Et donc, en fait, il faut savoir que beaucoup de personnes passent du temps sur Twitter et organisent un petit peu des concours. Et généralement, il faut tweeter un message ou, enfin voilà, il faut avoir un petit RT, donc un retweet, c'est-à-dire renvoyer un message d'une personne. Imaginons, moi je vais organiser un concours, je vais dire voilà, RT pour participer au concours. Bon, c'est un peu bizarre pour les gens qui connaissent pas un petit peu Twitter, mais pour les habitués, ils comprennent un petit peu de quoi je parle. Donc là, par exemple, pour l'occasion, je vais peut-être pouvoir créer un hashtag pour l'occasion d'un concours. Je vais l'appeler, je sais pas moi, concours ADT par exemple, pour Autour du Tuto. Comme ça, je sais très bien que les personnes n'auront pas ce hashtag prédéfini. Ça ne mélangera pas un petit peu toutes les personnes qui vont participer à ce concours. Donc là, vu que j'ai pas créé de concours, je vais par exemple prendre mon pseudo, donc Autour du Tuto. Donc ce qui est bien, c'est que ça vérifie autant dans les retweets que dans les hashtags. Vous voyez un petit peu tout ça, voilà l'arrobase, donc voilà la mention. Donc ici, je vais prendre par exemple Autour du Tuto. On va dire que, disons, j'ai créé un concours, je l'ai placé avec Autour du Tuto, je vais cliquer sur Go. Donc là, l'application, on voit qu'elle a trouvé 41 tweets. Voilà, ça tombe bien, je me fais gagner moins, c'est énorme. Et donc, en fait, donc ce qui est bien, c'est que le site va prendre sur l'application random.org. Random.org, c'est aussi un site qui permet de faire des concours, qui permet de tirer au sort parmi un numéro. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils se servent du site pour récupérer les tweets. Donc c'est plutôt sympa. Pour faire un petit buzz sur Twitter, je le trouve bien sympa en fait le truc. Donc là, voilà, je me suis fait gagner, c'est magnifique. C'est bon ça. C'est Cédric d'Autour du Web qui a gagné le concours. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir générer un lien en fait. Donc là, si je clique là-dessus, je vais pouvoir avoir un lien que je vais pouvoir indiquer sur mon blog et qui va dire voilà, ça y est, le tirage au sort a été fait. Et donc là, j'ai un lien unique. Donc c'est un site plutôt sympa qui vous permet de réaliser vite fait un petit concours et surtout voilà, tirer au sort parmi plusieurs personnes. Donc là, si je le refais, donc je vais le recommencer quand même, voilà, pour vous faire voir que j'ai rien trafiqué, c'est vraiment tiré au hasard. Donc là, ça serait par exemple Guy Pastré qui a mentionné Autour du Tuto, et ça serait lui qui gagne le cadeau. Voilà, donc je vous invite un petit peu à tester ce site, et puis pourquoi pas me partager comment vous organisez vos concours. Est-ce que vous en faites un petit peu sur Twitter? Si oui, comment, avec quels outils? N'hésitez pas à donner un petit peu des commentaires sur le blog, et puis on papotera un petit peu de tout ça. Puis moi, je vous dis à bientôt sur Autour du Tuto.